fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bien content avec vous, Asoya, pour présenter au téléjournal là. Dans quelques secondes, dans mon bal présenter au Grand Titio. Et puis, groupe cap a dominé l'actualité. Hein? Secrétaire d'État communication a confirmé. Gouvernement prend toute disposition pour contrer la réaction bandit. Eddie Jackson Alexis mandé population à collaborer avec la police en cas d'application disposition Sayo. Loi 6 mai 1927 là, qui a un rapport avec détention préventive prolongée à Ténamita en discussion. Dans le cadre d'un forum tribunal la première instance Port-au-Prince organisé vendredi 26 avril 2019 là. Office protection citoyen remet certificat by membre groupe réflexion droit moun après participation yo dans séance formation sous droit moun avec citoyenneté engagée. Activité ça rentrée dans cadre commémoration journée nationale souvenir mémoire victime fort dimanche 26 avril 1986. Sous initiative ministère santé publique avec population en tête collée avec fond Nations Unies pour population yon atelier travail sous conditions travail avec système santé réalisé dans Pétionville. C'était occasion pour représentants MSPPO souligner importance sur politique nationale la protection sociale dans pays. Et puis chez Loterie l'État haïtien LEH a organisé mercredi 1er mai premier festival ASA cap déroulé sous place Canapé Vert. Directrice LEH la Margaret Fortuné inscrit des massa dans le cadre de promotion ludique cap fête pour valoriser jouet ASA dans le pays. Papa, c'est Yvenson Franck, bienvenue dans développement journal là, secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis a annoncé toute disposition déjà prend en un gouvernement pour agir contre tout le monde qui est impliqué dans un criminel dans le pays. Secrétaire d'État communication a invité la population à continuer à collaborer avec Force l'audio. Eddie Jackson Alexis renouvelé engagement gouvernement pour les citoyens. Extrait d'un micro Rachel Saint-Fort avec Max. Gouvernement fait le débat devant parents à toutes les victimes qui ont formé en l'ordre qui ont tombé dans la balle bandit dans les actes criminels qui ont été dans le pays, particulièrement dans l'expédi dans le Cap-Feu. Gouvernement a condamné à toute force qui les actes criminels. L'État garantit va être passif par rapport à ça qui vient. Mal pour ces images ça et spectacle ça n'a pas offri international là. Oui, il n'est pas normal pour ces citoyens paisibles qui ont couru les croisés avec bandits alors que tout bandit a donné un cachet. Ils ont même arrivé à attaquer le commissariat police si même d'ailleurs dans plusieurs familles, plusieurs côtés dans le pays. Zach ça y a révolté moun. Ça ne peut pas continuer à durer toujours. Président de la République, là, Jovenel Moïse, Premier ministre Jean-Michel Lapin, passe instruction formelle par l'autorité concernée, tant que la police, avec la justice, le commissaire gouvernement, secrétaire d'État sécurité publique, là, pour agir contre tout le monde qui est impliqué dans les actes criminels et puis mettre en bas code. L'exécutif là a assumé responsabilité pour sérénité avec la paix pour retourner dans le pays. Là. Depuis hier matin, il y a une grosse opération qui mène dans le Cafoufeuille, côté n'a cherché bandits qui caché dans la GIA. Il n'y a pas en pile, n'a pas mis main sur eux. Demandez aux populations de continuer à collaborer avec Force l'audio, n'a pas eu bon genre d'informations sur la cachette de bandits qui doit aller tête droite dans la pénitentiaire nationale. Dans tout pays sous la terre, l'autorité de l'État, c'est défenseur de la société. Dans ce sens, dans nos pouvoirs en place là, nous renouvelons l'engagement nous pour nous protéger et défendre tout haïtien et haïtienne et tout notre citoyen et citoyenne qui sont sous terre droit.
même sens là, secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis rappelé la police déjà recevoir instruction pour fouiller quelle que soit machine non, dans zone côté à mener opération yo. Secrétaire d'État communication a mandé tout le monde pour collaborer avec la police, la justice pour mesi ça appliquer. Eddie Jackson Alexis renouvelé engagement gouvernement pour rétablir l'ordre, la paix tout partout dans le pays. Un extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Max Joseph. Il y a un précédent. D'après l'information qui est disponible, qui est récoltée par les services de renseignement généraux, la police a intervenu dans le village de Dieu. Il est venu pour mettre les mains sur Anel, une bandit qui est en bas. D'après l'information, c'est une machine avec plaque officielle qui est venue et qui est aidé à échapper. Donc, nous demandons toute autorité collaborer pour que nous avons l'autre qualité pays côté la paix. Tabli la donne. Prend toute distance avec tout bandit qui t'a à contacter. Il n'est pas normal pour officiel dans l'État à faire solidarité avec bandit. Bandit pas une appartenance politique. C'est ça que fait chef gouvernement passe instruction tout pour la police fouiller quelle que soit machine. Depuis qu'il y a mené opération dans la zone, quelle que soit plaque machine dans gain, et met la police autorisée pour faire vérification ce qui sac ta machine, qui est-ce qui la donne pour capable rassurer tout le monde. Dans ce sens, nous demandons tout le monde, toute autorité, collaborer avec la police, collaborer avec la justice pour mesurer ça capable appliquer. Si ça fait, nous demandons toute autorité qui trouve dans la zone côté la police à faire intervention, pas faire résistance si un policier interpelle, si un policier le verbaliser ou parler avec elle, discuter avec elle sur ça le besoin, quelle que soit l'autorité, quitte machine, plaque officielle, quitte machine service de l'État. Puis il y a un propre prétexte ou servir de tête, ou des plaques privées, ou bien ou à blague sirène, pour la police a mené en opération pour venir en quoi contre lui. Donc, on va mettre en rébellion à la société. Nous avons demandé tout le monde de collaborer. Nous disons, si un monde, un citoyen ordinaire, ou connaît une autorité quelconque qui de connivence, qui de mèche avec un bandit, pas toléré, dénoncer. Mais ce n'est pas dénoncer pour dénoncer, n'en fait accusation, n'en fait insinuation. Vini avec preuve à l'appui pour que la société soit capable de connaître un monde qui veut camper en rébellion avec la société, dans établir collaboration avec des repris de justice, avec des gens qui ont même absimé deuil dans le pays. Le gouvernement, tout. Conscient, en pile fois, nous entendons, il a arrêté bandit, après la justice libérée bandit. Organisation de l'homme, notre qualité citoyenne en société a toujours dénoncé ça. C'est pour ça, nous demandons pas qu'elle avec OPJ pour faire preuve plus professionnaliste dans le cadre de travail, surtout les apportés dossiers concernant Mounio arrêté pour éviter la justice libérée Mounsa à cause et procédure qui rejoignent. Dans montage dossier. Une fois encore, le gouvernement déterminé pour établir l'ordre avec la paix tout partout dans le pays. Sous initiative tribunal première instance Port-au-Prince, plusieurs dizaines de personnalités dans le système judiciaire ont participé dans un forum sur la loi 6 mai 1927 là, qui a un rapport avec détention préventive prolongée. Dans le cadre de journée de réflexion, ça, différents acteurs ont brassé l'idée sous ensemble obstacles qui empêchaient la loi sous détention préventive prolongée à appliquer. John Herbie Casséus avec Michel Joseph contredit. Dans le cadre de forum, ça, différents acteurs qui ont évolué dans le domaine de justice brassent l'idée sur une série de sujets qui ont rapport avec la loi sur détention préventive prolongée. Loi ça qui était votée dans la date 6 mai 1927, bail aux citoyens possibilité pour demander pour lui paraître devant le tribunal immédiatement après arrestation. D'après ça qui discutait dans le débat, la loi 6 mai 1927 là manqué appliquée sur le territoire. Selon le commissaire gouvernement Port-au-Prince, Paul Eronce Villa, c'est un problème de discipline à Creta qui gagne dans la livraison de dossier qui est la cause problème ça. Dans l'article 1er loi, il dit que son procédure plus rapide. C'est-à-dire que la procédure ça aller beaucoup plus rapide que rapide qui pour permettre Mounio de passer devant le tribunal même jour. Et c'est seulement si Mounio a décidé de demander une quinzaine de jours pour préparer la défense, les cas aller en détention, mais
à la plus prochaine audience, il faut le comparaître devant le tribunal. Même j'ai l'impression que la société n'a pas contre loi ça bien. Et il n'y a pas conscience qu'on a, il a revendiqué de temps à autre. À travers des matchs, l'autorité dans le pouvoir judiciaire visait sensibiliser tout le monde dans le secteur pour permettre l'application de la loi et faire tout bon vrai selon le doyen tribunal, première instance Port-au-Prince, M. Bernard Saint-Ville. Nous faisons forum là sur l'état de la détention, la comparution immédiate, la gestion des pièces à conviction et l'augmentation du nombre des audiences. Nous surtout mettons accent sur la loi du 6 mai 1927 parce que nous avons constaté que depuis 1927, le législateur là était soucieux de s'arrêter les libertés individuelles. Mouna, l'ennemi privé de liberté, ça veut dire pas de possibilité pour bouger, la loi fixe un délai pour mener le tribunal. Et déjà, Mouna a arrêté à faire qu'on a jugé sans délai. Mais conscient du problème, en 1927, le législateur a devine une fond loi sous comparution immédiate que nous relais flagrant délit correctionnel. C'est-à-dire, les gens qui ont arrêté en flagrant délit pour un délit, qui ont fait que la loi relais délit, nous ça sans délai, le commissaire gouvernement s'y prend, mène le tribunal. Nous sommes certes capables de solliciter un temps pour préparer la défense, même loi encore prévoit que le temps ne doit pas dépasser 2 semaines. C'est-à-dire, c'est prendre les gens, mène le tribunal. Batonier, l'autre avocat Port-au-Prince, dit avocat déterminé pour mener action, pour exiger et encourager présence avocat dans tout commissariat pour faciliter l'application de loi. Dans le cadre de nouvelles stratégies, nous même au niveau du barreau, après que nous avons à tout, nous avons essayé de réviser le tout. Parce que nous comprenons bien pour que l'audience soit faite, non seulement il faut que le personnel judiciaire soit mobilisé pour un avocat présent, mais tout, il y a une question de gestion du temps qui compte en pile, surtout dans des dossiers de compensation immédiate. Donc, dans ce sens, nous avons poursuivi des réflexions au niveau du barreau pour nous voir si nous sommes affectés entre 2 à 3 avocats dans chaque commissariat. Qui va permettre, dès que le dossier est arrivé dans le commissariat, avocat lui-même, non seulement il est capable de participer à l'audition, qui doit le respect de la garantie constitutionnelle, puisqu'on ne peut pas attendre en absence de l'avocat. Mais deuxièmement aussi, puisque l'avocat a pris les éléments du dossier et arriver à l'audience, c'est beaucoup plus facile pour que le soutien l'accusation doit aller plus vite en termes de gestion du temps. Application loi sous détention préventive prolongée a permettre autorité pouvoir judiciaire à réduire la quantité de monde qui est en prison dans le pays a, sans pas jamais passer devant le juge. Office protection citoyen mettait bout dans un séminaire formation 4 jours qui était déroulé sous thème droit moun ak citoyenneté engagée. C'était l'occasion dans le cadre d'activité ça pour OPC Maquet Journée nationale souvenir la mémoire victime dans fond dimanche dans date 26 avril 1986. Contre-rendu Sainte-Croix-Paki ak Moïse Wilbridge. Session formation ça qui était duré 4 jours te déroulé en baptême droit moun ak citoyenneté engagée. C'était l'occasion pour participants de partager réflexion et faire débat sur la situation de l'homme dans le pays d'Haïti. C'est l'Office Protection Citoyenne qui est collé à groupe réflexion et innovation de l'homme GRID qui a organisé l'activité ça. Protecteur citoyen, Maître Edouville expliquait l'initiative ça entraîne un cadre chez Fola Port-au-Prince pour faire respecter le droit dans le pays. Pendant 4 jours, soit du 23 au 26 avril, eh bien, il y a 20 représentants, 20 participants, 20 membres de l'organisation ça, soit 15 garçons et 5 femmes qui ont eu la chance de suivre un séminaire de formation sur la question de l'amour. Et pendant ce séminaire ça, nous avons abordé différents points avec eux, nous avons mis un assez copieux, nous avons permis de comprendre d'abord la notion de droit de l'homme, donc définition de droits humains qui s'allient. Nous te permettons de comprendre tout ce qui ça doit de l'homme dans Chita, c'est-à-dire quel est le cadre juridique en matière des droits de l'homme. Nous te sensibiliser également sur les différentes catégories de droits de l'homme, parce que très souvent en Haïti, nous avons toujours une tendance à avoir seulement les droits civils et politiques, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres catégories de droits de l'homme qui sont aussi importantes. D'ailleurs, pas une catégorie qui est plus importante que les droits de l'homme, que notre catégorie. Et nous avons essayé de familiariser autour avec Sandarilé les systèmes de protection des droits de l'homme. Dans le cadre d'activité, ça, c'était occasion pour l'Office Protection Citoyen commémorer la Journée nationale souvenir dans la mémoire victime fort dimanche, en date 26 avril 1986. Dans la même activité, ça, c'était occasion pour le protecteur citoyen, Maître Nan Edouville, condamné à l'assassinat qui fait sous plusieurs murs dans le quartier Kafoufeuille, dans l'assaut mercredi 24 avril.
Maître Nan Edouville mande autorité étatique pour engagement pour garantir droit à protection la vie tout citoyen dans le pays. Les citoyens paisibles qui pas dans gloumé avec nous, qui pas dans âme, et bien nous ça yo tomber malheureusement sous des balles assassines dans le quartier dans le pays, nous il est plus précisément du côté de Tafoufeuille. C'est occasion pour nous-mêmes au niveau de l'OPC pour nous dire que, ou bien pour nous rappeler à tout un chacun, aux autorités étatiques, à tout le monde dans la société, que la vie humaine, elle est sacrée. La vie moun, son bagage qui est sacré. Personne moun pas capable de ôter la vie au monde. Parce que vie humaine, vie moun, son bagage qui est sacré. C'est un droit humain que lié. Et le droit à la vie, c'est pas seulement dans la bouche que l'on dit que le sacré, mais il garantit également par la Constitution haïtienne, en son article 19, il garantit également par les instruments internationaux que l'État haïtien signé et ratifié. La Constitution 1987, là, et dans sa version originale, et dans sa version amendée, il fait obligation à l'État, l'impérieuse obligation, l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie. Après ces mini formations, participants ont bénéficié au chaque d'un certificat. L'autre information dans le journal là, communicatrice sociale Clairna Lujeune qui travaille sur un document qui gagne pour l'élévation Timoun, expliquer danger qui gagne les parents au soir responsable utiliser bâton pour corriger Timounio. L'éducatrice l'a souligné, habitude ça yo contre la cause mauvais comportement qu'a Timounio, les a grandi côté yo quoi c'est avec violence pour résoudre des problèmes yo. Clairna Lujeune encourage parents yo pour essayer yon l'autre forme correction qui c'est dialogue. Clairna Lujeune t'a participé matin à l'émission Mise au point sur TNH. Après 6 ans, gagné Neuron Miroyo qui était présent toujours. Alors, Neuron Miroyo, tout ça qu'on a fait, alors, c'est même connexion, ça, il n'y a pas de capacité pour sélectionner. Il dit, ah, ça a bon, je ne vais pas prendre l'eau, je ne vais pas enregistrer. Ça n'a pas bon, je ne vais pas enregistrer. Non, ni ça qui est bon, ni ça qui n'est pas bon. Pour faire devant tout le monde, il enregistre. Donc, c'est ça pour parler de la tête. Quand il y a via Neuron Miroyo là, il y a gardé violence, ou continue à caler toujours, il a intériorisé violence ça, il a intériorisé violence ça, et puis finalement, c'est ça qui vient bailler des moun violent comme ça dans société ya. Et puis il y a deux types de moun, on sait de moun qui beaucoup plus intelligent, qui brel capable violence là construit yon discours démagogique qui pour convaincre l'autre yon tout qui te subi même éducation toto makout ça, même éducation toto makout ça, et moun ça que brel essayer convaincre là, yon brel facilement adhérer à lui même parce que y a habitué obéir, c'est là la question obéissance ça, y a habitué obéir par an yon. Donc du coup, il suffit que vous développez un attachement par rapport à moun sa, parce que un petit moun, pour lui-même, plus moun qui plus bon qui existe, c'est parents. Donc du coup, vu que parents lui-même te kon bat li, donc du coup, tout moun que vient développer un attachement avec lui-même, lui vient prêt pour l'obéir, parce que te kon obéir par elle. Donc du coup, il n'y a pas aucune difficulté pour lui, pour moun na sa, c'est le monde de tout le monde, à faire n'importe zak pour le faire, parce que lui, lui adhérer à discours démagogique ça que moun nan gagne, et puis lui facile pour lui parce qu'il est habitué à vivre 20 ans depuis la obéi ou bien 30 ans depuis la obéi, donc du coup il pas gagne aucune difficulté pour lui obéir. Et ça que m'a dit là, c'est pas vous remonter de des recherches scientifiques, bon dame qui est Alice Miller qui était intéressé avec question ça, la regarde vie Hitler, Mao Zedong, etc. Lui jeune que tout le monde sait, yo te kon maltraité yo mais yo te petit, même si yo interdit moun yo calé ti moun yo, les ti moun yo petit yo toujours calé yo parce que pas kon l'autre façon pour yo faire. Yo pas kon l'autre façon pas tenir grand parce que connait ka fè nana on. Exactement, c'est ça pour l'élection qu'on y a qui ça qui passé. L'autre habitué calé ti moun là. Sauf que on va vivre dans société côté pagé que haïtien. Attention, c'est que en Haïti calé c'est la norme.
Alors que dans le pays étranger, calé à pas la norme. Les petits mouns qui ont commencé grand, l'a expliqué, ils ont fait ça dans l'école, et ou même ils ont cassé relation avec elle. Parce que le quoi qu'elle dit, il y a des petits mouns qui préparent, même si on a fait un mauvais bagage, ils ne peuvent pas dire ça, parce que tellement préparent. Donc du coup, si mouns qui est là, les petits hommes viennent commencer à dire, non, ma chère, pas arrêter, on va quitter par un bateau, comme ça, on va arrêter les naïwons. Tout si moun sa menacé par Naïwanwan, par sa qui sa vin fait, pas l'autre option que vin laxiste, que vin qui te timoun sa fait salve. Donc du coup, li perd du contrôle timoun nanet. Donc le moun yon a dit comme ça que oh yon interdit bâton, etc. etc. Faut nous suivre timoun, parce que haïtien, c'est pas que haïtien d'ailleurs, dans la zone que m'a évolué de toute qualité immigrant, ça veut dire africain, voilà, tout moun qui pratique question bâton. Donc yon toujours continue bat timoun, même si yon a payé très. Tout ça que vous voulez pour petit tout fait, faut que vous fait. Ok, c'est mais ça, c'est pas imitation. Si vous apprenez éducation par l'action, éducation par l'action, neuron miroir toujours actif. J'en ai dit déjà qui doit faire bon, qui doit dire fait mauvais bagaille. Ça veut dire non seulement ou bien l'apprendre si vous n'avez dit bonjour, mais si ou même tout vous voulez petit tout toujours dit bonjour, ou même faut toujours dire bonjour. Ça veut dire non seulement faut dire bonjour, faut dire ti moun bonjour, parce que conseil de parents qui a un problème, ti moun n'a pas dit merci, mais l'elle dit ti moun ay pa tel bagay moi, puisque c'est pas mais ay pa tel bagay moi. Ou tout pap apprendre ni là, parce que ou dit ay pa tel bagay pour moi s'il te plaît. Ça veut responsable groupe croissance en tête collée avec Banque République d'Haïti et puis plusieurs l'autre partenaire ouvrir vendredi 26 avril la 4e édition FinTech là dans Pétionville, une activité qui réunit représentants institutions financières, responsable dans l'état avec élève l'école Esaïe Aurélius avec Michel Joseph Contrandi. FinTech là, c'est une partie dans le sommet international finance là qui lui-même marie technologie avec finance. Objectif lui, c'est éduquer population sur avancée qui fait dans des secteurs ça. Il servit moyen pour aider plus monde dans population comprendre plus bien concept finance là d'après initiative. On connaît l'appétit du grand public pour la technologie. Et ce n'est pas le taux insuffisamment élevé d'alphabétisation, ni le taux définitivement trop élevé de pauvreté qui empêche le téléphone portable d'être, avec 60% des ménages, le second actif le plus possédé en Haïti. Dans cette aventure technologique passionnante qui veut mettre la finance au service du développement inclusif, la conviction dans la dynamique du changement est un facteur clé qui est souvent en soi un sujet de controverse. Le téléphone mobile est devenu un outil indiscriminé de productivité. Il y prend cependant des politiques publiques avisées dans des contextes difficiles. Des entrepreneurs progressistes dans un environnement compétitif. Et pour paraphraser Madame Christine Lagarde, des financiers qui voient bien au-delà de leur propre raison d'être pour concrétiser dans la croissance inclusive et dans la réduction de la pauvreté la main invisible d'Adam Smith. Édition 2019 là, c'est occasion pour différents professionnels et entreprises présenter ensemble outils technologiques qui sont capables de participer dans un rôle accessible et une série de services financiers. C'est la Banque République d'Haïti qui présente trois produits qui sont une application BRH Mobile, un centre de contact et un nouveau site internet. Je dis là, nous ne sommes pas capables de faire comme si la technologie n'avait pas évolué. Il est fondamental que ce n'est pas garder la technologie comme un ennemi, mais plutôt garder la technologie et comment nous sommes capables de profiter et maximiser son affaire en utilisant la technologie. J'ai lancé trois produits importants. L'un, c'est un centre de contact. Et centre de contact, là, je vais expliquer nous allier. Et son numéro que nous avons besoin de nous tête, nous, 8274, son numéro pour carrer de n'importe qui téléphone. Le produit que nous mettons en place, nous parlons de
nouveau site internet Banque Centrale là. Nouveau site internet Banque Centrale là, il y a toute une série de caractéristiques nouveaux là-dedans. Et parmi les caractéristiques nouveaux que nouveau site BRH a gagné, c'est que bon équipe de formation qui part sur ancien site là, qui vient sur nouveau site là. Et troisième produit que nous présentons aujourd'hui, c'est BRH Mobile. BRH Mobile, vous pouvez aller sur internet ou télécharger BRH Mobile. Lors de télécharger BRH Mobile, vous avez accès à taux de change, vous avez accès à taux de change que différentes banques ont pratiqué, et vous avez accès tout à un comparateur de frais. Faciliter l'inclusion financière en Haïti à travers le TIC, c'est un baptême ça, activité ça a déroulé. Une activité capra poursuivre dans l'université Kiskeya, demain 27 avril. Là. Responsable dans le ministère des Affaires sociales, Travail, Organisation internationale Travail, et Association Industrie d'Haïti, lancé vendredi 26 avril la plusieurs activités dans Sonapi pour marquer Journée mondiale sécurité et santé dans le travail. Journée ça, commémorée à Nessa sous thème Un avenir du travail sûr et sain. Dans l'occasion, lancement activité, yo, responsable dans MAST présenté ensemble Mézi, te prend pour protéger le travail. Un extrait. Haïti, par la voix de son gouvernement, est heureux et fier de pouvoir appuyer l'OIT dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé et sécurité au travail. Le MAS, à travers ses services d'inspection, a fait de son mieux pour répondre à son engagement par rapport à l'application de la Convention 1955 sur la santé et sécurité au travail, laquelle, dans son article 155, fait les obligations suivantes. Le contrôle de l'application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l'hygiène et le milieu de travail devra être assuré par un système d'inspection approprié et suffisant. Le système de contrôle devra prévoir des sanctions appropriées en cas d'infraction aux lois et prescriptions. Le MAS, à travers le dernier rapport d'inspection comptant pour l'année 2018 du Service d'inspection générale du travail, a montré clairement les progrès enregistrés dans le cadre des interventions du MAS dans ce domaine. Représentant organisation internationale travail en Haïti a renouvelé volonté institution liant pour bailler contribution l'activité qui visait santé et sécurité travailler yo dans sens ça li annoncé une série tests travailler dans son appui capable bénéficier dans cadre journée mondiale sécurité et santé dans travail en suivre. La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, célébrée chaque année le 28 avril, est une initiative organisée par l'Organisation internationale du travail, OIT, depuis 2003. En réponse aux sollicitations du mouvement syndical auprès de l'organisation pour appuyer la Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail. Les chiffres de ces personnes mortes ou blessées au travail sont impressionnants. Donc, en tant qu'organisation internationale du travail, première agence spécialisée du système des Nations Unies, qui célèbre cette année son centenaire d'existence, 1919-2019, nous voulons continuer à apporter notre contribution afin que la santé et la sécurité au travail continue à s'améliorer en Haïti. Pour ce faire, nous avons prévu un examen gratuit mis à disposition d'un millier de travailleurs dans le parc industriel métropolitain pour traiter de maladies et autres virus qu'il est important de traiter rapidement si on veut se donner des chances de pouvoir les guérir. Entre autres, les séances de dépistage et de conseil du VIH, séances de consultation de médecine générale, les séances de contrôle de la bonne santé des seins pour les travailleuses, des PAP tests pour la détection des cancers, des cas de cancer du col de l'utérus, des examens d'urine de routine pour détecter les cas d'insuffisance rénale, les contrôles de la tension artérielle pour détecter l'hypertension artérielle,
des contrôles de la glycémie post- et préprandiale pour détecter le diabète. On va l'observer, deuxième pause, nous, dans le journal là, arrêtez blanché, n'abtenez, dans le budget. Actualité à poursuivre sur TNH, ministère santé publique avec population, en tête collée avec Patnelio organisé, un atelier travail sous thème accéléré, promesse participation à Haïti dans la 25e conférence internationale sous population avec développement, plusieurs autorités dans le gouvernement, parmi les ministres délégués qui chargeaient droit moun à lutte contre pauvreté à Stéphanie Auguste, directrice générale Institut Bien-être Social là, Ariel Gentil Vindouin, représentant en Fondation Zini pour Population, hein, Yves Sassinrat, CAD, avec employé ministère Santé Publique, qui participé dans l'activité SIDA. Contre Andy, Falan Delphin, avec Laure Darly Jean-Jacques. 25 années après engagement, 179 pays te prend, parmi eux Haïti, pour améliorer la santé reproductive dans le monde. Là, c'est mon bilan qui arrive. Après participation Haïti dans la 52e session Commission Population et Développement qui était faite dans la ville Nairobi, capitale Kenya, sorti 1er pour arriver 5 avril 2019, la Direction Population et Développement Moun dans MSPP, dans tête collée avec assistance technique et financière Fondation Unie pour Population, organisé une série d'activités pour parler sur la réalisation Haïti dans l'occasion 25 années conférence internationale Population et Développement. Parmi activité sa yo, gen atelier, conférence débat, célébration, ak mise en place programme pour continuer ak action pour développement durable yo. Représentant Fondation Unie pour développement, Yves Sassinrat, mettait accent sous priorité mondiale yo. Li dresse un bilan positif de action qui posait et li montre gen gros avancé qui fait dans la région Amérique latine à Caraïbes là, dans la lutte contre pauvreté, politique population, disposition loi sous droit femme actif. Il y a des sérieux défis qui restent encore à relever, c'est clair. Voilà pourquoi, dans le cadre d'une action concertée, il conviendra de mettre l'accent sur les aspects prioritaires. Que pour nous, un événement comme celui-ci, c'est le début d'une série d'événements où on va accompagner justement la direction de la population et ses partenaires à travers les différents ministères sectoriels. Et on va justement organiser une série d'événements où on va justement mettre la lumière sur beaucoup d'aspects qui rangent de la dividende démographique jusqu'aux migrations, jusqu'à la santé, jusqu'à l'égalité des genres. On va essayer de profiter des journées phares, par exemple en mai, qu'on a trois journées très importantes. On a la journée de la sage-femme le 5 mai, on a la journée des fêtes des mères le 26 et le 28, on a la journée internationale de la santé de la femme. Atelier ça, c'est occasion pour recueillir informations nécessaires pour accélérer le travail à l'effort qu'a fait pour respecter et atteindre l'objectif développement durable 2030. Yo. D'après le directeur général MSPPA, Dr. Laure Adrien, Haïti réitéré engagement pour continuer le travail pour améliorer le système santé et la population. Haïti a aussi réitéré son attachement aux orientations pertinentes du consensus de Montevideo sur la population et le développement, adopté en août 2013 pour le suivi du programme d'action du Caire dans la région Amérique latine et Caraïbes. Ce programme est à l'origine d'importants changements et ces changements se sont fait sentir aussi en Haïti quand on regarde la structure par âge de la population. Les 10 de fécondité, les deux intervenants qui m'ont précédé l'ont dit, a baissé de plus de 25%, passant de 4,8 enfants à 3 enfants par femme entre 1994 et 2017. En raison donc de la baisse de cette fécondité, le nombre d'enfants de moins de 15 ans a également diminué, se situant donc autour de 35% de la population générale dans l'année 2017. Alors que le taux d'utilisation de la contraception moderne a plus que doublé, passant de peu moins de 15% à 32% en 2017, même si nous devons admettre
qu'on est loin de la cible visée, c'est-à-dire l'accès universel à la contraception. Année Cap Vinila a fait conférence qui est là 25 années depuis l'existé, qui coïncide tout avec 50e anniversaire UNFPA. C'est à l'occasion pour Haïti apprécier assistance technique et financière institution ça à Bay Région 1 depuis l'elle créée en 1969. Je nous ai annoncé l'antitio, directrice générale Loterie l'État haïtien, annoncé à organiser un festival ASA qui en clinique mobile 1er mai 2019 Cap Vinila. Activité ça rentrée dans le cadre célébration anniversaire institution 1. Directrice générale LEH Margaret Fortuné expliquer des matchs visés continuer faire promotion Loteria pendant l'invité population venir participer pour réussite premier festival ASA Cap déroulé sous place Canapé Vert. Et extrait d'un micro, Midireille Milias avec Moïse Wilbich. C'est une journée qui est ouverte à tout le monde, qui a bien et a présenté diversité qui gagne la jouette hasard dans le pays d'Haïti. On attend tout le monde, on attend la personne pour nous donner notre image, pour nous donner notre pays. Parce que jouette hasard, il contribue à un pile de taxes dans le pays Canada. Pour nous, si on prend exemple dans le pays, pour la vendre par les petits poulots, mais propre nous-mêmes, nous avons des possibilités, nous avons des institutions, nous avons des capacités, nous avons des gens qui capotent leur touche dans l'État, nous avons notre État. Pour nous, dans le triomphe, c'est harmoniser, relationner avec tout le monde qui a fait jouer à ça. C'est encadrer. On ne peut pas oublier. Donc, il faut payer cette taxe-là. Parce que c'est avec taxe-là, c'est une graisse, c'est graisse cochon qui coûte cochon. C'est avec pour nous payer un voyage. C'est avec si nous besoin de faire clinique mobile. Pour nous battre un infirmière, un médecin qui a petit un frère. Ça veut dire, ça concerne tout. Et heureusement, il y a pile qui manifeste volonté pour l'allonger ça. Il est important pour nous souligner ça. Pas bien ça avant. Et nous connaissons nous-mêmes un petit bolet nous. Mais maintenant, Tibolette, pour nous, viens jouer Tibolette, nous. A bien tirage, maman Pemba, 92 ans. Mais, mettre Bolette, tu as plat. Vous avez un petit casino, nous, à plat. Mais quand on a un petit la roulette, nous, petit la roulette, nous, à plat. L'autre point d'actualité, Conseil national de la télécommunication, Conatel, célébré jeudi 25 avril, la journée internationale. Femmes et jeunes filles qui travaillent dans le secteur technologie, information et communication TIC. À l'occasion, institution a réalisé une conférence débat avec plusieurs jeunes filles dans la commune Semak dans l'idée pour sensibiliser sur l'important secteur. En suivant un reportage, Lunel Jean-Louis avec Dieudonné Lidier. C'était dans l'année 2010, Conférence Union Internationale Télécommunication UIT à travers résolution 70 là, responsable de prendre décision pour organiser chaque année à travers pays membio un événement pour sensibiliser jeunes filles sur l'importance métier numérique yo. C'est dans ce sens ça, Conseil National Télécommunication réalisé une conférence débat dans la commune Saint-Marc avec plusieurs dizaines de jeunes filles, une manière pour encourager yo à prendre métier numérique yo. Comme nous constatons que jeunes filles ont tendance plus absent dans le secteur technologique là, peut-être à cause de préjugés, de stéréotypes, etc. Donc, lui, il te dit, nous pouvons encourager pour jeunes filles, au lieu que plus fort nous choisir des métiers qui ne sont pas technologiques, pour des raisons que vous ne comprenez pas, parce que vous avez même intelligence avec garçon, et parfois vous pouvez profiter même. Donc, nous pouvons encourager pour que vous même tout vous abordez les métiers technologiques. Journée, jeudi, c'est une journée qui doit consacrer à intéressement, promotion jeunes filles pour être capable d'entrer dans le métier technologique, mais tout et surtout pour que l'instance publique commence à garder qui voit lui-même pour jouer pour assurer que les conditions sont créées pour que non seulement il y ait plus de jeunes filles qui sont capables d'entrer dans le métier sérieux, mais que jeunes filles tout aient plus de chances pour être capable d'entrer comme entrepreneur, etc. et pour mieux valoriser tête en dans ce secteur ça. Chéri Vio Dinachal qui t'a intervenu dans le débat fait qu'on est ni un pile métier qui se route pour disparaître à cause technologie information et communication. Intervenant expliquer opportunité et avantage métier numérique qui offre. Avec TICA, nous avons utilisé pour nous faire, pour nous créer travail pour tête nous. Au lieu pour mesdames, chita,
n'a pas tant de monde porter pour nous, mais il est capable de nous autonomie, nous. Il est capable de permettre que nous ne pas vivre de monde. C'est nécessaire, n'a pas encouragé toute jeune fille qui attend de nous. Le secteur TIC là, c'est un secteur qui est en pleine évolution. C'est-à-dire, il n'est pas statique, il est dynamique. Et puis, il est transversal, il entraîne dans tout domaine. Domaine économique, domaine social, domaine santé, li entre tout côté. C'est ça qui fait le besoin en pile bras, en pile main-d'œuvre. Au monde qui caissier aujourd'hui, demain si Dieu veut, ou capable de jouer un travail encore dans le domaine ça. Ça fait ça. Guide, qui ça y a une nouvelle qui relève intelligence artificielle. C'est des machines qui prennent place caissier. On y a allé dans carte de crédit, on écrive ou acheter, ou entre carte de crédit ou paye ou virer d'eau. On n'a pas besoin de présence sur le caissier encore. C'est-à-dire, métier TIC, c'est des métiers de l'avenir. C'est demain, c'est demain société. Si je dis on pas choisi orienter vers eux même l'on choisi pour orienter la trop tard parce que gen un pile métier qui gen jodi a qui pral pas exister encore. Activité pour célébrer journée internationale jeunes filles qui dans secteur TIC dans le pays d'Haïti déroulée sous thème mise en capacité des jeunes filles dans le secteur des TIC au fait de combler le fossé de genre et de contribuer à la génération de richesses dans les filières porteuses du numérique. Jeune Petro Challenge yo ak représentant plusieurs organisations dans la société civile a organisé un sitting devant Cour des comptes dans l'idée pour demander la Cour à remettre rapport complet sur utilisation fonds Petro Caribéa. Élisée Arcolo ak Moïse Wilbridge a présenté un compte rendu. Ces représentants ak membres diverses organisations étudiants qui soutiennent dans plusieurs facultés qui étaient présents devant la Cour des comptes dans le cadre de réalisation sitting ça citoyens ça yo te profiter mandé autorités compétentes continuer prend disposition pour lumière faite sur le dossier Petro Caribéa. Représentant mouvement nous pape dormir, Salvatore Saint-Victor, encourager responsable coup des comptes, remettre rapport complet sur le dossier Petro Caribéa. Nous avons un rapport complet que nous besoin dans mes coup des comptes. Il faut que nous intégralité rapport là et puis pour capable sortir arrêt de bain. On a rappelé la justice déjà prend plusieurs mesures dans le cadre de ce Petro Caribéa côté un juge d'instruction Ramoncy Taximé en charge de ça. Ces jeunes Petro Challenge yo ak représentant plusieurs organisations dans la société civile là qui organisé un sitting devant Cour des comptes dans l'idée pour demander la Cour remettre rapport complet sur utilisation fonds Petro Caribéa. Ministère Travaux Publics, Transport et Communication a continué de travailler dans différentes zones, dans le département l'Ouest, là, particulièrement dans la commune de Hogan, série Travail Sayo qui est rentré dans le cadre de caravane changement, a permis aux gens qui a fréquenté quartier Saïra bénéficier d'infrastructures routières. Plusieurs gens qui habitaient dans la zone ça, féliciter l'autorité dans l'État qui a permis conditions de vie améliorées pendant qu'ils souhaitaient une mise en place qui fait pour permettre de bénéficier de leurs services tant que de l'eau potable, l'école, accès de santé pour la communauté. Je vais extraire le micro Falan Delphin avec Michel Joseph. Tout ça ira, moi, je l'ai levé. Ça fait longtemps que j'ai eu de l'entente faite. Il était bien pour le fait. C'est pas un projet que j'ai abouti. Donc, on a commencé là. En plus, le monde est soulagé avec ni poussière ni la boue. Parce que si on ne bat pas l'école à l'aise, même les sous moto y a sale. Même les va faire l'appli pour la boue, nos problèmes, poussière sont l'autre problème. Mais quand y a là, nous commençons jouer nos soulagements. Ou pas de bon poussière, quand y a là, ou tu commences à faire. Ou tu commences à faire, tu commences à regarder. D'acheter pour la fini. Ça c'est une après ça pour nous gagner courant, pour nous tout bagarre pour fonctionner. Et mon bal l'école bah ça. On a battu un pile poussière. On a moins ou t'as commencé fait. On a bien content le fini, bah ça. On content pile. Bon, c'est de le fini avec tant d'autres petits travaux dans mes négos fait. Courant des en courant dans un an. Imagine une route qui est levée, papa levé, maman tout le monde levé aujourd'hui. Comme ça, elle pas de jambes bagarre. Bon, qu'on y a là, tout le monde qui est venu bon. Ou pas de jambes essayer. Bon, qu'on y a là pour elle dans niveau ça. Bon, ça plus qu'une appréciation. Mon cher, nous tellement contents, nous dépassés contents.
Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin, qui était gain à Cli, ministre justice et sécurité publique là, Jean-Rodi Ali, directeur général police nationale là, commissaire gouvernement Port-au-Prince là, Paul Héronce Villa, annoncé gouvernement à travers tout est strict dans l'État, prend disposition pour contrecarrer action bandit dans le pays. Midrey Milias avec l'aurore d'Arlie Jean-Jacques Abdinoukis. C'était occasion pour le président Conseil supérieur police nationale là, Jean-Michel Lapin, présenter sympathie par les victimes et parents victimes incident qui vivait dans soir mercredi 24 avril 2019 là dans Cafoufeuille. Côté individu à exam, nous visons sous plusieurs citoyens qui t'a mené activité. Ça qui passe dans la zone Cafoufeuille, sa bonne pistache, n'avait pas été dit. C'est inacceptable. Mais il faut nous comprendre. Il faut que tout le monde comprenne. Que la situation, ça, est venue un problème de société. Tout le monde menacé. Pendant qu'on a demandé la police pour les continuer, faire effort, pour les respecter les droits, tout le monde. Tout citoyen, la bande des populations en tout, pour porter collaboration à sa guerre qui va le fait pour nous porter une solution définitive. D'abord dans la zone ça et tout côté problème de sécurité publique posé. Phénomène insécurité qui a développé dans le pays a doit toucher conscience chaque citoyen haïtien. Mais principale responsabilité a, c'est l'État haïtien pour résoudre le problème ça, d'après chef CSPN. Premier ministre Jean-Michel Lapin a annoncé un plan sécurité pour permettre l'ordre et la paix établie sur tout territoire. Dans le cas d'exécution plan ça, PM nommé a sollicité collaboration toute population, même gens avec autorité dans l'État, pour réussir opération la police. Je dis, encore une fois, l'État, face à responsabilité, responsabilité que l'État a gagné à travers structure de sécurité, pour les protéger, pour le servir. Et c'est ça qui explique la présence non là. Je dis, pour nous bailler des instructions claires à la police. Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin, qui reconnaît l'autorité policière, le travail macroné à l'autorité judiciaire, demande au commissaire gouvernement Port-au-Prince, Jean-Paul Héronce Villa, dans quatre plans action sécurité, ça, accompagner agent la police. Dans toute zone d'opération, la police, opération qui visait rétablir la paix, opération qui visait rétablir la sérénité, opération la police qui là pour permettre que tout le monde vaque à l'occupation dans la zone d'opération ça, tout plat tombé. On a demandé toute autorité dans l'État qui gagne un plaque officiel, toute autorité dans l'État qui gagne un plaque service de l'État dans même pour collaborer avec la police. Pour permettre que la police fait travail là, Jean Libre fait. La police instruit, directeur général, prend responsabilité. Commissaire gouvernement, demandez un accompagnement 24 sur 24 avec la police nationale d'Haïti pour nous capables d'entrer dans le plan d'action de sécurité ça que nous sommes mettés ensemble pour qu'ils permettent que la population reprenne confiance et espoir dans l'État, dans les affaires de sécurité publique. Conseil supérieur police nationale là, renouveler détermination pour prendre toute disposition pour sérénité l'ordre et la paix retourner dans la société haïtienne. On va prendre une autre pause dans le journal là, on va retourner pour cette information.